Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'ouvrir une chambre forte, enfin d'accéder au contenu d'une chambre forte sans utiliser de clé. Donc pour réaliser cette astuce, il vous faudra des aspergeurs de chrome. Donc pour obtenir des aspergeurs de chrome, vous cassez les objets qui sont en chrome. Voilà, comme ça vous allez bien finir par obtenir un aspergeur de chrome. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, parfait, j'en ai deux. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous montez sur le bateau qui se trouve à Lustrous Lagoon. Donc juste ici sur le gameplay, hop, vous entrez dans ce bateau-là. Et là, vous allez tout simplement descendre en dessous. Vous descendez tout en bas du bateau pour pouvoir accéder au coffre qui se trouve juste en dessous. Donc là, regardez, il y a le coffre. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est de casser le sol qui est en dessous du coffre, enfin, le sol qui est juste devant le coffre. Et là, vous allez voir que quand vous allez utiliser l'aspergeur de chrome, vous vous transformez et vous allez pouvoir accéder en dessous du coffre. Donc, quand vous êtes en dessous du coffre, vous vous détransformez pour pouvoir utiliser votre pioche. Et là, ce que vous faites, c'est que vous cassez les coffres pour obtenir les objets qu'il contient. Donc voilà, vous cassez les coffres. Parfois, vous pouvez les ouvrir aussi. Les largages là-bas, vous pouvez les ouvrir aussi. Vous pouvez casser tout, en fait, hein, vous pouvez tout casser. Mais faites attention de ne pas casser le sol. Parce que si vous cassez le sol... Oups, je me suis trompé de touche. Si vous cassez le sol, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tomber. Donc, faites attention de ne taper que dans les coffres et dans les objets que vous voulez obtenir. Et quand vous avez cassé tous les coffres, vous allez pouvoir récupérer tout leur contenu. Donc là, on va casser ce coffre-là. Hop. Et je vais vous montrer comment récupérer tout le contenu. Donc pour récupérer tout le contenu, ce que vous faites, c'est que vous détransformez. Ah ouais, là, il faut que je casse le sol, là. Alors, je sais pas si... Ok, on va le faire de l'autre côté parce que là, c'est un peu la galère. On va casser le sol juste ici pour pouvoir passer en dessous. Voilà. Ensuite, on se retransforme. Voilà. Et ce que vous faites, c'est que quand vous avez cassé les coffres, vous venez ici, vous déposez toutes vos armes, tout ce que vous avez. Vous retournez en dessous du coffre, vous détransformez. Ah, là, j'ai raté. Vous détransformez et vous récupérez... Ah non, vous récupérez en fait les objets quand vous êtes transformé, justement, pour pouvoir passer en dessous du coffre. Dès que vous avez récupéré les objets, boum, vous venez ici, vous déposez les objets, vous récupérez un aspergeur de chrome. Comment je fais pour en jeter qu'un seul? Diviser, voilà. Hop. Maintenant, je retourne en dessous et je récupère tout ce que j'ai pas pu récupérer. Et vous faites ça pour jusqu'à temps d'avoir tout récupéré dans le coffre. C'est une petite astuce qui prend un peu de temps, mais au moins c'est une petite astuce au cas où vous aurez un aspergeur de chrome dans cet emplacement-là et que vous n'avez pas de clé pour ouvrir le coffre. Eh ben, vous pouvez utiliser cette petite astuce pour récupérer le contenu du coffre. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!